Salut tout le monde, c'est Badoff et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Populus à l'aube de la création, donc pour cet épisode 2. Et donc comme je vous l'ai dit, on va commencer dans un monde un peu spécial, donc c'est la mort venant des cieux, et c'est un monde avec un timing. Donc, mes visions ont montré une abomination absolue. La mort elle est, une créature monstrueuse détruisant tout sur son passage. Si mes ennemis les taquinent, ils l'atteignent avant moi, notre destin est scellé. Ça promet, ça promet. Donc en gros, on va avoir 15 minutes pour aller prier la statue. C'est largement suffisant, on peut y aller tranquillement. Et on aura une petite aide venant des cieux. Voilà. Donc le totem qui donnera un bateau pour amener tous les francs-maçons à nous. Alors. Elle va déjà là-bas. Eux, ils vont prier. Ouais, ils peuvent tous aller prier, y a pas de soucis. Elle est complètement idiote. Donc, avec contrôle, on peut faire deux actions successives. On peut la passer par les quatre points que je lui ai indiqués. Tout simplement. Voilà. Encore un. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, on convertit ici. Ici. Normalement, ça devrait être pas mal. Ouais, je les ai tous. Voilà. On débarque sauf un qui va chercher les autres. Pour l'instant, ils vont aller prier la chamane également. Et on va pas laisser le dernier tout seul. Ou aussi, on peut laisser tout seul le dernier. Tant pis pour lui. Et là, on va directement chercher la tête pensante. Non, c'est pas tête pensante, c'est la tête sacrée qui va nous donner le sort pont, si je me trompe pas. Ils ont terminé, on va être transformé en guerrier. Là, les 4 là, les 3 là, plus 1 en curé, et le dernier il va se faire guerrier. Puis là, j'ai le temps d'aller chercher le dernier qui manque. Puis hop, elle va dans la tour, la chamane. Mais ça sert à rien, et que c'est pas bien du tout, parce que quand les chamanes sont dans la tour, elles sont très facilement tuables. Mais c'est pas grave. Là, on est contre l'ordinateur qui est complètement idiot. Donc ça devrait bien se passer. Donc pour cet épisode, je vais faire donc ce niveau et sûrement la moitié du niveau suivant parce que j'ai déjà fait et puis ça dure environ une heure. Coupé, tant pis. Et voilà. Aussi, pour information, si vous voulez que vos braves tournent en cercle, voilà, vous faites CTRL, ALT et un clic gauche. Si vous voulez qu'ils tournent en carré, je crois que c'est, vous faites deux clics gauche. Ouais. Et après, en triangle, c'est trois clics gauche. Mais ça, ouais, c'est pas vraiment un triangle pour moi, mais bon, c'est pas grave. J'ai combien de curés? J'ai 3 curés. Ah, un quatrième. Caillou? On peut déjà aller prier normalement. Pas de soucis. Et partir à l'attaque. Caillou? Thank you.
J'appuie sans faire exprès. Hop, ma chamane, elle va avancer. Alors que les autres se battent. Donc juste que je vous montre, hein, le monde est super bien fait. On passe ici, pouf, ici. Donc comme ça on contourne les rouges. Puis on va chercher la tête. Tout simplement. Voilà. Lui va pas monter. Non, c'est bon. Caillou. Oula, c'est pas cool ça. Ah la conne, elle est tombée. Pas prévu ça. C'est bon. On va gagner. La chemin ennemi qui fait chier. Ah, elle est juste là. Ça aura un peu de mal à la tuer. J'ai plus d'éclairs. Mais c'est pas grave. Et allons prier. Tout en se protégeant. Voilà. C'est gagné. Donc en 15 moins 8, ça fait en 7 minutes, on a fait ce niveau très facile. Voilà. Pour l'instant, là, on embête mes guerriers, mais c'est pas vraiment un problème. Donc voilà, la mort elle est. Donc c'est un sort qu'on aura ici, je crois, vers la fin du jeu. Donc on pourra débloquer tout simplement. Voilà. Pendant ce temps, ils vont détruire les rouges et puis on va gagner ce niveau dès qu'ils auront tué la chamane. C'est magnifique. Ça va mourir. Meurs, meurs, meurs. Allez. Voilà. Youpi, youpi, yeah. Voilà, donc en 7 minutes 35 secondes. C'est pas mal. Voilà quoi. Les ponts. Ouais, donc c'est bien le niveau que je pensais. Et je vais faire en deux parties. Donc là, chez moi, il est 13h39, à 14h, je m'arrêterai. Voilà. Pour la première fois de notre histoire, une fois affronté deux tribus, les Shumara et les Matak. Je peux peut-être les dresser l'un contre l'autre. Je sens qu'un totem pourrait être très utile pour les mettre en conflit. Donc le totem, il est ici, avec un bonhomme jaune. Il va falloir utiliser le sang hypnose pour le transformer en bleu et équiper le totem. Les jaunes. Excusez-moi, les verts avec le sort pont, je crois. Et ici, c'est le sort marécage. Voilà, donc la chamane là-haut. Et on va mettre des petites maisons. Je gaspille du Maya. Ah oui, là j'ai le sort conversion, là. Je ne l'ai pas encore appris, j'avais oublié. Je croyais que je l'avais déjà. Voilà, enfin ce sort vraiment beaucoup, va être beaucoup utile. Et oui, vraiment très pratique. Donc il permet de transformer les Robinso en homme civilisé. Là il y en a pas mal beaucoup, je vais vite les prendre avant que l'ennemi se ramène. Voilà, 10 braves en plus. C'est pas du tout négligeable. Et c'est pas fini.
Il a pas voulu l'autre, le méchant. Allez, les trois d'un coup, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Concussion. Là aussi, il y en a. Loupé. Salaud, il a pas voulu venir. Excusez-moi, le méchant. On va faire travailler un peu quand même. J'espère juste que vous entendez pas ma souris, ce serait un peu gênant pour la vidéo. Ils ont rien à faire dans les maisons pour le moment. Pas de place. C'est là. Voilà, la chamane. Il y a du monde ici, non? Là-haut. Il en met un peu partout ça. Voilà. Ah non. Combien j'en ai 5, c'est pas grave. Bien c'est. J'ai envie de voir les prix là-bas. Et donc tant que la tribu verte n'a pas fait de pont ici, je peux pas prier le totem et ils peuvent pas m'attaquer. Donc pour l'instant je dois juste me soucier des jaunes qui sont en phase de développement tout comme moi. Là-bas il y a du monde. Ouh là là, là aussi il y a du monde. Oula, je lag. Je bug. Je mets en pause. C'est bon. Je regarde un petit coup. Voilà. C'est pas cool. C'est bon. C'est bon. Ah, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Faire quelques guerriers déjà. Et chose que j'ai oublié, c'est les curés. On va mettre là. Celle-là, je vais la tuer. Coupé. Oh. Elle veut pas. Hein. Voilà. En même temps, je me fais attaquer. Il s'arrête pas. Génial. Voilà, ils sont tous morts. Ensuite. Oula. Ok, alors on va déjà faire des soldats. Bon, vous allez là-haut. Quelques soldats.
Donc on regarde quelques maisons. Hein. Ah, il y en a un qui est mort là-bas. On va en renvoyer deux. Voilà. Ensuite, ça me paraît bien là où ça manque un peu de personnel. Quelques guerriers en plus. Et le reste, ils vont dans les maisons pour les faire grandir. Parce que les maisons grandes rapportent plus de mana qu'un brave travailleur. Il y a une maison à environ 3 étapes. Enfin, pas environ, une maison à 3 étapes de progression. Voilà. Ok, alors là il faudrait remplir les petites maisons. Mais pour l'instant je vais attendre d'avoir plus de monde. Les trois là ils vont aller construire. Comme ça. Voilà, un curé va là-haut. Un autre ici et le troisième reste et le sort marécage qui arrive qui fait aussi beaucoup de dégâts jusqu'à 10 victimes peut faire. Toi tu vas encore faire. Ouh, j'avais pas vu ça. Je surveille plus mes ennemis parce qu'ils peuvent attaquer à tout moment. Même si pour l'instant c'est pas bien grave. Je vais encore faire 3 soldats en plus. Y a pas de soucis. Voilà. Ah, t'as plus de bois, Coco. Le bois est une mine de rien très importante. C'est la seule et aussi la plus importante. Bah, tu vas le chercher là-haut. D'accord. J'ai très mal géré mon bois, tant pis. Donc, oui, je suis quand même beaucoup plus développé que mes adversaires, normalement. Si je me trompe pas. Là-dedans, il n'y a personne. Ou deux. Là. Je vais juste aller les embêter un petit peu, les jaunes. Avec ma chamane. Ce qui est marrant aussi avec le sort d'hypnose, que je l'aurai après, c'est que j'aime bien convertir quand je suis dans le village ennemi d'écureuil. Et. Ah, les verts vont passer à l'attaque. Donc, convertir d'écureuil. Et laisser dans le village, ce qui permet de. Ce qui permet de faire pas mal de dégâts. Démonstration. Voilà, super sort. On peut faire dans ce screen. On peut mourir de ce sort également. Et quand on regarde, on peut tuer. Si j'avais affiché, j'arrive pas. Faire 10 victimes, voilà, j'ai déjà fait 5, puis encore 5 victimes possibles sur ce marécage. Come on.
lanceur explose. On lit. Shaman, vous n'avez aucun moyen d'atteindre l'île pour vénérer le totem. Et vous avez maintenant le sort Hypnose. Ou sinon, il faut que j'aille chercher le sort pour. Il y a quelqu'un? Allô? Oui, je sais, j'ai un très bon humour. Ouais. J'espère juste que les jeux n'en profitent pas pour m'attaquer. Je crois que c'est fini, j'en aurais plus. Toi tu meurs. Si, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'un personnage meurt, il y a son âme qui monte au ciel. C'est beau, non? Putain que j'y suis, hein. Oh, les Robinson. Je les envoie là-bas. J'aimerais juste que le curé reste en vie, ça serait sympathique. Allez, curé. Je suis pas encore en particulier plus un, ça serait sympa. Toi, tu vas tuer la chaîne. Voilà. Je suis fier de moi. On va leur faire mal, on continue. Déjà, on va faire ça. On va mettre un marécage à terre. Ça, c'est vicieux, ça. Tu mets. Je crois qu'il y a encore une tête. Il y a une tête là, vénérée. On va essayer d'y aller. Ça donne les boules de feu, je crois. Les faire sur les verres, ils sont. C'est pas nécessaire. Est-ce qu'on continue de mourir? Ah, ça y est, ils sont tous morts. Voilà, hop. On leur met la misère. Normalement pour eux ce sera légèrement plus difficile. Là, c'est bon, même pour rien, ils peuvent détruire. Là-haut, il y a la madame jaune qui dépasse, il y a les cheveux qui dépassent en haut, c'est sympathique. Bref. Et encore 4 minutes. Le temps de tuer les verts. Et après, je vous dirai hasta la vista, bye bye.
je ne réparerai pas. Ouh, la méchante. Ouh, la madame, elle est pas gentille. Je ne fuis pas, ça ne sert à rien. Ah, ça va, je vais mettre la main au ciel. Bah après, ce qui est difficile des fois, c'est de trouver les rescapés. Il faut les chercher pour un petit moment avant de les trouver pour les tuer. Donc pour l'instant, il n'y a plus de guerriers normalement, il n'y a plus que des villageois. C'est largement 4 guerriers à moi suffisent amplement pour les tuer. Moi, il y a beaucoup de monde qui foutent rien. Ce que je peux faire, 22 personnes. Tu rentres pas quand t'es dans les maisons là. Ceux qui est de la passe. La petite musique entraînante là. Plus que deux. Non. Alors, tiens, il y a les jaunes qui se ramènent, c'est où ça? Jaune, c'est plus difficile à tuer dans cette partie. Moi aussi j'ai des vaisseaux volants. Il a joué là. Deux même. Alors. Les guerriers là-haut, ils en sont où? Il y en a encore deux. Ouais, faut tuer la chamane aussi. Je pense qu'une fois qu'on aura tué la chamane, ce sera bon. Parce que là, il n'y a personne. Ah si, il y a un Gugus là. Oh là, ça va être chiant ça. Je peux pas dire où il se bat parce qu'il va mourir. Ma chamane, elle va venir ici. Et on va les tuer. C'est un peu le bordel. J'ai plus que 4 prêcheurs. Et il y en a 16 qui foutent rien. Ah, elle est morte ma chamane. Ah la conne. Elle est dans mon marécage, je l'enlève. Ça, ça sera plus de soucis. Bon, ça c'est une idée. Même si madame ne me sert plus à rien. Voilà. Donc, chamane va te battre. Ouais, j'ai déjà 100 gugus quand même, hein. Je suis trop fort. Il suffit juste de remplir les maisons, puis j'aurai tout plein de mana. Trop bien. Il faut que je me fasse une petite armée, hein, pour battre les jaunes dans le prochain épisode. Que je commencerai un peu plus tard. Ça y est, toujours les mêmes.
pas de soucis. Et là, un petit éclair. Et c'est fini. Regardez le ciel. Non. C'est pas fini. Ah bah c'est dommage. Je me repose juste pour le trouver. Eh bah il est où? Ah ça m'embête à chaque fois. Oui non. Si vous le trouvez, vous me le dites, hein. Il est où? Where is Brian? Bon, déjà, je pense qu'il est dans la maison. J'espère. Ouais, ils sont là. Vous allez mourir. Visiblement que la chaman repop. Voilà. C'est la fin. Ils sont tout contents. Donc voilà. Cet épisode se termine aujourd'hui par cette belle et magnifique victoire que j'ai eue sur les verts. Et on m'attaque à nouveau. Quand le loup n'est pas là, on m'attaque. Donc sur cet affrontement, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Bye bye. Tous les francs-maçons à nous. Alors... Elle va déjà là-bas. Eux, ils vont prier. Ouais, ils peuvent tous aller prier, y'a pas de soucis. Elle est complètement idiote. Donc, avec contrôle, on peut faire plusieurs actions successives. On peut la passer par les 4 points que je lui ai indiqués. Tout simplement. Encore un. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Coupé. Alors, on convertit ici. Ici. Normalement, ça devrait être pas mal. Ouais, je les ai tous. Débarque sauf un qui va chercher les autres. Pour l'instant ils vont aller prier la chamane également. Et on va pas laisser le dernier tout seul, ou si on peut laisser tout seul le dernier, tant pis pour lui. Et là on va directement chercher la tête pensante. Non, c'est pas tête pensante, c'est la tête sacrée qui va nous donner le sort pont, si je me trompe pas. Dans environ une heure. Coupé, tant pis. Et voilà. Aussi, pour information, si vous voulez que vos braves tournent en cercle, voilà, vous faites CTRL, ALT et un clic gauche. Si vous voulez qu'il tourne en carré, je crois que c'est, vous faites deux clics gauche. Ouais. Et après en triangle, c'est trois clics gauche. Donc ça, ouais, c'est pas vraiment un triangle pour moi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai combien de curés? J'ai trois curés. Voilà, un quatrième. Caillot ? On peut déjà aller prier normalement, pas de soucis. Et partir à l'attaque. Il est là. Oh bah c'est bon. Voilà, eux ils ont terminé. On va être transformé en guerrier. Là, les 4, les 3 là, plus 1 en curé, et le dernier il va se faire guerrier. Puis là, j'ai le temps d'aller chercher le dernier qui manque.
Tokyo. Elle va dans la tour, la chamane, mais ça sert à rien, et que c'est pas bien du tout. Parce que quand les chamans sont dans les tours, elles sont très facilement tuables. Mais c'est pas grave. Là, on est contre l'ordinateur qui est complètement idiot. Donc ça devrait bien se passer. Donc pour cet épisode, je vais faire donc ce niveau et sûrement la moitié du niveau suivant parce que j'ai déjà fait et puis ça dure. Salut tout le monde, c'est Badoff et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Populus à l'aube de la création, donc pour cet épisode 2. Et donc comme je vous l'ai dit, on va commencer dans un monde un peu spécial. Donc c'est la mort venant des cieux et c'est un monde avec un timing. Donc mes visions ont montré une abomination absolue. La mort elle est une créature monstrueuse détruisant tout sur son passage. Si mes ennemis les taquinent et l'atteignent avant moi, notre destin est scellé. Ça promet. Donc en gros on va avoir 15 minutes pour aller prier la statue. C'est largement suffisant, on peut y aller tranquillement. Et on aura une petite aide venant des cieux. Voilà. Donc le totem qui donnera un bateau pour amener tout.